كان وحوية جالسين أبا أن جعلنا أكل أنجل كان وحوية مرتي جال مرت كان وحوية جالسين أبا أن جعلنا أكل كان وحوية والمنى Je ne crois pas qu'il était socialiste. Pour être socialiste ou communiste, il faut être capable de lire Hegel et Kant. Si vous n'avez jamais lu ni l'un ni l'autre, comment pouvez-vous vous dire communiste? Le marxisme, le communisme, toutes ces idéologies en isme exigent une érudition bien supérieure à celle de Siad Barre. Il avait quelques grands principes en tête. Il voulait faire sortir la Somalie de ce qu'il considérait entre guillemets, comme de la barbarie, et instaurer une structure d'État. Et ça a très bien fonctionné pendant quelques années. Siad Barre est connu pour ça. Les premières années, tout a bien marché. Mais après, il est devenu comme une poule qui, au lieu de laisser son œuf donner naissance à un poussin, préfère le manger. Le pays s'est dévoré lui-même. A Naked Needle, une aiguille nue, est le deuxième roman de Noureddin Farah, celui qui va précipiter son destin alors qu'il voyage en Europe. Ce que je ne savais pas, c'est qu'une critique avait paru dans le London Sunday Times, dans laquelle le journaliste avait écrit « Noureddin Farah se moque du dictateur somalien et du socialisme en général ». De plus, il décrit la corruption à l'intérieur du pays. L'ambassadeur de la Somalie a envoyé un téléx ou un télégramme me traitant d'ennemi de la nation. Je n'étais au courant de rien de tout cela. Je suis arrivé à Rome, j'ai appelé mon frère pour lui demander de venir me chercher à l'aéroport et il m'a dit « Apparemment, tu n'as pas entendu la nouvelle. » J'ai répondu « Que s'est-il passé ?» Il avait appris que si je rentrais en Somalie, je serai condamné à 30 ans minimum en tant qu'ennemi de la révolution. Mettant à profit la chute du Négus en Éthiopie, Siad Barre envahit la province de l'Ogaden, annexée par Ménélik II il y a plus de 70 ans. Barre peut s'appuyer sur le renfort de maquisards somaliens qui sont en lutte contre le régime éthiopien et revendiquent leur retour à la mère patrie. De ces deux pays d'obédience marxiste, l'Union soviétique choisit l'Éthiopie. Moscou retire donc son aide à Siad Barre. Battu en 1978, la dictature somalienne se tourne alors vers les États-Unis, qui font parvenir à Mogadiscio de quoi limiter le désastre d'une nouvelle famine et installent une base stratégique dans le nord du pays.